levé la tête juste avant la frappe pour voir si le gardien était parti ou pas. Et c'est donc l'ouverture du score, 1-0. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Il va devoir protéger son ballon. La frappe. Ouais, la balle est contrée. Un tacle très propre, une belle interception. Ils vont jouer la touche. Penalty, c'est un penalty. Ah oui, penalty. Oh, penalty, c'est normal. Et il n'y a pas de carton, ça c'est plus étrange. Ouais, c'est vrai, hein, décision un peu. Le penalty qui est transformé. On revoit la course d'élan et le but. Elle remporte son but à la face au portier, c'est propre. Et les voilà donc à égalité, un but partout. On va pouvoir jouer à la touche. Aucun souci pour capter cette tête. Et le ballon qui est sorti en touche. Ah, le centre. Oui, but. Le bouclier y est. Qui peut être en train de choisir son camp? Ce petit but d'avance va prendre de plus en plus d'importance au fil des minutes. On va peut-être assister à quelques ajustements tactiques. Et l'enchaînement parfait sur ce but. Oui, Hervé. Le centre, il se démarque. La tête, imparable. Et il s'est complètement... Alors, avertissement ou pas. Et le coup franc rapidement joué. Il parvient à centrer. C'est dégagé du point. Tête. Et nouvel arrêt du gardien. Mais cette fois, il garde le ballon. Une touche. Odika Ofoé. Ça ne va pas plus loin. Wagen. Oui, bien pris. Ouais, intervention du gardien qui repousse. Allez, j'ai joué la touche. On récupère ce ballon dans notre jeu. On va peut-être prendre un avertissement. Le rouge, et c'est le carton rouge, mais qu'est-ce qui lui a pris? J'avoue que je ne comprends pas non plus, hein. Il n'y avait aucun danger, aucune pression, c'est vraiment le geste inutile. Oh, le gardien qui est sur ce ballon, sans problème. Ouais, corner, et il y aura danger dans la surface. Gilet. Parfait cette interception. La frappe, oh, la parade du gardien. Le corner à suivre, il va y avoir danger. Il est... Oh, là-bas, attention, ça continue. Là, ils vont avoir une nouvelle opportunité avec ce nouveau corner. Oh, c'est bien parti. Oh, il y est. Et ils prennent plus de risques, ils font preuve de plus d'initiative. Oui, ils vont plus de l'avant, c'est normal qu'ils soient récompensés.
Et le score, vous le voyez, ça fait 3-1. Oh, il fait ce qu'il veut et se balade littéralement dans la défense. Oh, attention, le tacle glissé, il a bien fait de sauter. Oh, quelle occasion! Et le bon placement du gardien. Attention, ne pas commettre de faute. Encore le gardien, c'est gagné! Il tente sa chance. On y est! On voit le joueur qui fixe le gardien avant de donner à son coéquipier. Oui, fatalement à 2-1. Mais grand ouvert, ils ont joué avec lucidité, c'est parfait. Et le match qui a clairement tourné maintenant. Wagen. Oui, belle talonnade. Et on sanctionne cette faute, c'est un coup franc. Et voilà, fin des 45 premières minutes sur ce score de 4-1. Va-t-on assister à une seconde période à sens unique, comme la première? Ah, il vient buter sur la défense. Bonne interception. Larsen. On n'est plus du jeu sur cette interception. Et la voilà, la frappe! Oui, le bon ballon, encore elle vient! Tir qui est contré. Auditeur au fouet. Larsen. Droit dans les bras du gardien. Oui, il fallait sortir, c'est bien joué. Voilà, frappe. Oui, bien joué le gardien. Un coup de sifflet de l'arbitre. C'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Wagen. Ouais, que va donner ce centre? Oh, c'est peut-être qu'il ne sera pas cadré. Il a manqué quelques centimètres en effet. Ballon dans la boîte. Ah, c'est dommage, un but les aurait peut-être relancés.
à ce centre qui ne donne rien et l'adversaire peut repartir. Oh, le drapeau s'est levé. Oh, que ça doit être limite. Allez, ça va peut-être lui redonner confiance. J'espère pour lui, parce que pour le moment, c'est loin d'être terrible. Il ne parvient pas à garder ce ballon. Et on balance devant. Oh, c'est parti! Difficile dans ces conditions de bien jouer au ballon avec cette pelouse. Un faux rebond au plus mauvais moment, Hervé. Quel effort sur cette interception, c'est impeccable. Bonne intervention, il récupère ce ballon. Hors jeu. Oh dommage, il était tout seul. Et la balle qui retourne dans les pieds du gardien. Ouais, excellente interception, bien joué. Attention à la réception de ce centre. Et le ballon qui est sorti en touche. Gilet. Je crois qu'on peut dire que les joueurs ont largement fait la différence. Le nom du vainqueur ne fait plus de doute. Ah, c'est vrai que je les vois mal lâcher maintenant. Ils ont fait ce qu'il faut pour se mettre à l'abri. L'arbitre qui n'a pas sifflé. Il laisse le jeu se poursuivre. On s'attendait à une rencontre serrée et c'est finalement une promenade de santé pour ces joueurs. Oh ouais, il domine outrageusement ce match. L'adversaire est pourtant de niveau sensiblement égal. C'est assez surprenant. Oh, quelle occasion! Le dernier mot pour le gardien. On le voit bien là, le centre. Le défenseur qui dévie le ballon, mais dans son propre but. Sans un gardien qui doute de plus en plus, ça fait un but de plus encaissé. Oui, encore un. Hein. Il faut dire qu'il n'est pas très rassurant pour sa défense. Je ne comprends pas toujours son placement. Et quelle frappe! Quelle frappe, Hervé, juste sous la barre transversale. Cet avantage me paraît presque décisif maintenant. Il a pris sa chance de loin, mais de très loin même. Oui, quand on voit le résultat, on se dit qu'il y avait mieux à faire. Allez, ralenti, qui nous permet d'apprécier à nouveau ce but. Bien buté sur la défense. Ah, une faute en cette fin de match. Un carton jaune pour cette vilaine faute. Intelligent, très réussi, il récupère le ballon. Et voilà, ce match qui s'achève sur un score assez rare, en somme toute, en football. 5-1. Ah, on lit toute la joie sur le visage de ces joueurs au moment de soulever le trophée. Je vous laisse admirer ces images. Ah, c'est une belle récompense pour eux. Ce titre, ils sont allés le chercher. Bravo. Je pense que la fête ne fait que commencer pour les supporters.